sur la D73 à côté d'Annecy, où il y a eu deux fois les championnats du monde, et ça a été l'une des manches les plus compliquées du Tour du Monde. Alors je demandais à Maxime, à notre ami canadien, comment ça se passe pour s'entraîner, comment tu fais toi en Isère pour t'entraîner? Il y a des pistes qu'on vous ferme, vous avez des accords de temps en temps avec des stations? De temps en temps on a des accords, mais le plus souvent on va rouler en route ouverte. Donc avec la circulation des voitures, c'est notre principal moteur pour aller rouler. Et ça permet aussi que quand on a des routes fermées, on se regroupe tous et puis on va pouvoir rouler tous ensemble, et ça c'est vraiment très bien. Très très belle émulation, on sent beaucoup de passion, beaucoup d'amitié, et puis vous prenez vraiment beaucoup de plaisir. Ouais, on est vraiment là pour ça. C'est là-bas, c'est aller se surpasser pour rouler avec les meilleurs mondiaux et profiter au maximum et se faire plaisir et rouler avec les copains, et c'est ce qu'il y a de plus parfait. Pourquoi le longboard skate? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités à pratiquer en Isère. Pourquoi le longboard skate? L'adrénaline. Ouais, c'est ça qui te plaît. Ouais, carrément. Et puis la glisse, et puis cette famille du longboard qui est vraiment unique en son genre, quoi. Toi, tu pratiques que la descente dans l'île, le freestyle, tout ça, ça branche moyen? Ça me branche un petit peu, c'est... non, c'est pas dans mon tempérament. Je préfère la descente avec beaucoup de vitesse. C'est ce qui donne vraiment le plus d'adrénaline, selon moi, quoi. La patience, c'est ça. Bon, le classement, donc, finalement, de cette épreuve, pas tellement d'importance, c'est pas trop déçu d'être sorti un peu trop tôt? Non, pas du tout, et puis en plus j'ai pu rouler ce matin avec les rattrapages, et on a pu rouler, on s'est fait peur comme il fallait, on s'est fait plaisir. Grosse vitesse là sur la fin de la route. Ouais, complètement, ouais. C'est assez rare des spots qui vont aussi rapidement. Ça veut dire qu'on te reverra ici l'année prochaine? Bien sûr, c'est certain. C'est noté, merci beaucoup Pierre, pour nous, suite d'Infinidad sur Sport Plus. Merci.